Pourquoi on est venu habiter en Thaïlande? Alors l'aventure, elle a commencé il y a 8 ans, quand on est venu en vacances ici pour la première fois, où on a été vraiment conquis par le pays, par les gens, par leur simplicité, leur sourire. Et puis depuis, on est venu 11-12 fois en vacances, et à chaque fois, au retour, c'était une souffrance de revenir en Suisse. On avait vraiment envie de s'installer ici. On a eu une chance, une opportunité, et puis on l'a prise. Notre aventure en Thaïlande, c'était avant tout une grande coupure avec notre première vie. Mais plus précisément, on est venu pour reprendre un bar-restaurant. On est en bord de mer, un cadre idyllique. On est venu en Thaïlande en famille. C'était un projet avant tout avec mon épouse. Mais on a embarqué nos enfants avec. Donc Maxime, 16 ans, et Lina, 12 ans. Ça fait 3 mois qu'on est installé. Donc on est en train de découvrir un nouveau métier. Une magnifique aventure, un cadre de travail exceptionnel. Alors, pourquoi la Thaïlande? Ça a été un cri du cœur. La Thaïlande, vraiment, c'est un endroit qui nous a touchés dès le moment où on y est venu. Tout le monde dit la Thaïlande a un grand défaut. Quand on y vient, on y retourne. Ça a été notre cas, principalement par rapport aux gens. Les Thaïlandais sont un peuple extrêmement accueillant, souriant. Ils ne sont pas stressés, ils sont attentifs, ils sont extraordinaires. Après, on ne va pas se le cacher, on a un cadre magnifique. On est sur une île, les palmiers, le soleil. Une autre raison pour laquelle on est venu en Thaïlande, c'est qu'on voulait offrir un autre cadre de vie à nos enfants. Je pense qu'on offre aussi à nos enfants une chance unique par rapport à un parcours classique d'arriver dans l'âge adulte avec une double culture, avec une ouverture extrêmement différente. Un pincement au cœur, c'est évident. On a quitté nos familles, on a quitté nos amis, on a quitté notre environnement, notre petit confort pour une magnifique aventure. Par contre, on était tellement appelés par cette aventure-là qu'on a vraiment senti le besoin de le faire. Il y a un moment, je crois, dans la vie est courte, on n'en a qu'une, et puis il nous a semblé important de suivre nos rêves, aller au bout de ce qu'on voulait dans cette vie. Est-ce qu'on aura des regrets? Peut-être. Mais on est sûr d'une chose, c'est que si on n'avait pas franchi le pas, on l'aurait regretté. Donc on a préféré prendre ce risque, et puis ma foi, si ça se passe mal, on reviendra en Suisse. Comment résumer la situation? Ben, vivez vos rêves. Si vous avez un rêve, il faut aller au bout. C'est dommage de passer à côté de ses envies, c'est dommage de passer à côté de ce qui nous attire. Donc, vivez vos rêves.